Et bonjour madame, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve pour un petit message express. Donc tu prends que ce qui résonne, que ce qui te parle. Donc avec l'oracle des miroirs. Pourquoi donc, qu'est-ce qui se passe? Et l'oracle lumière. Ok. Et on y va, ben là, message express. J'ai vu que vous êtes nombreuses à avoir aimé. Donc, on ne va pas abandonner, on va continuer, ok. Alors ici, on parle d'une évolution ici, d'une évolution qui est retardée. On parle de communiquer. Oui, il y a une évolution, retard. Alors, ouais, une évolution qui est retardée, mais on te dit qu'il va y avoir des communications ici. Une personne va prendre la parole, il va avoir des discussions concernant le financier ici. Donc, on te parle de joie. De joie avec un homme, pour un homme. Alors, au niveau financier, le financier est en lien, on dit, c'est en lien avec l'évolution ici, hein. Une évolution retardée, il va y avoir des échanges, des communications en rapport avec l'argent et on parle de joie pour une énergie masculine, avec une énergie masculine avec qui il y a une distance ici. Alors, quel autre message a-t-on si vous prenez guide? Alors, on parle d'une amitié, d'un ami, d'une amitié du passé ici. On me parle de la joie, d'une sincérité, d'une fidélité. Oh là là, ça me perturbe le soleil là. Il y a pu avoir une triangulaire de la jalousie ici. Ouais, il va y avoir des échanges sur un voyage ici, sur le fait de prendre de la hauteur. On te demande peut-être de prendre pour une sincérité, en fait, être sincère, fidèle à soi et par rapport au passé, prendre de la hauteur également hein, sur des échanges. Tu échanges, il y a des échanges qui sont forts et puissants ici avec le miroir. D'accord? Comme ça résonne, belle âme, on te parle d'amour, de la sexualité à la maison. Il y a de l'amour là, il y a une évolution qui est retardée peut-être, mais on te parle de correspondance, d'échange. Il y a un amour partagé, une sexualité à la maison. Chez toi, dans ton petit chez toi. Ah bah écoute. Eh oui. Sexualité, amour. On te parle du travail, consultant, consultante, de chance, d'opportunité. Alors, de la joie au niveau professionnel. Hein. Consultant, consultante, il y a des chances, une chance, une opportunité qui arrive à toi ici. Hein. Ok, famille, parole. Il y a la famille qui va prendre la parole sur une fidélité, une sincérité, quelque chose du passé. On culpabilise par rapport à des enfants ici. La famille, peut-être que la famille, par rapport à la famille, il va y avoir des échanges où la famille va prendre la parole parce que ça concerne une culpabilité. La culpabilité concernant un enfant, des enfants. Tu prends, comme ça résonne, belle âme, on parle d'un carrefour, tu as un carrefour par rapport à l'amour. Tu as un carrefour de ta vie. Tu te projettes, mais on ressent un peu d'instabilité ici. Ouais, parce que tu te projettes, mais tu te protèges en même temps. Tu te projettes tout en te projetant. Donc, tu te projettes tout en te protégeant plutôt. D'accord? Donc, tu as un carrefour de ta vie concernant l'amour ici. Hein. Chance, opportunité, échec, instabilité. Ouais. La chance, l'opportunité de te relever d'une instabilité ici par rapport à la joie au niveau professionnel, hein, par rapport au bien-être. Il y a de la joie, il y a un travail qui est effectué. Quelque chose se met en marche aussi par rapport à l'amour.
la famille, beaucoup de discussions avec la famille, examen, santé, la chance, l'opportunité de te relever d'un échec, d'une instabilité et de retrouver une bonne énergie, une bonne santé. Distance, consultante, santé. Il y a une distance consultant, consultante qui joue sur tes nerfs. C'est ce qu'on m'envoie. C'est comme si tu avais tourné le dos à tes rêves ici. Tu avais tourné le dos à tes rêves où tu étais bloqué pour justement concrétiser un rêve ici. Ouh, mais il m'énerve. Voilà, merci. Ouh, ça me fatigue les yeux. Ok. Donc au niveau de l'argent des pépettes, on te parle d'un équilibre qui revient ici. Concernant une femme, il y a de la sexualité ici. En fait, c'est une femme... Alors, pourquoi une femme tourne le dos à une sexualité? Alors, la manière que j'ai dit, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? T'as pigé ça ou pas? Alors, une femme qui tourne le dos, une énergie féminine qui tourne le dos à une sexualité, et c'est en lien avec ce carrefour-là. Et on a un carrefour, on a des choix à faire, des choix, des décisions à prendre. On est amené à passer à l'action ici. Alors, au niveau professionnel, on te parle d'un travail, les choses se mettent en place, les choses sont en mouvement, peut-être que tu passes à l'action ici, hein, pour évoluer, pour ne plus être retardé, hein, pour ne plus prendre de retard pour une évolution justement, hein, d'accord ? Parce que tu as déjà pris du retard, on dirait. Et il y a bien un retour, il y a bien des communications, des appels ici. Ouais, concernant peut-être une distance consultant-consultante qui te fatigue ici, hein, qui joue sur ta santé, d'accord? On parle de fidélité, de sincérité, de loyauté qui va s'ancrer, quelque chose qui s'ancre. Mais soit il faut voyager pour ancrer, pour stabiliser une situation, ou alors il faut prendre de la hauteur ici sur un engagement, ok? Parce que prendre de la hauteur pour pouvoir prendre une direction ici. La direction du bonheur, de la joie, d'accord? Saisir cette joie qui t'amène à saisir une chance. Cette joie, ce bonheur en fait, c'est la chance, l'opportunité de te relever d'un échec et de te relever d'un échec, belle âme, de ne pas rester, de ne pas te sentir sur un fil, d'accord? Parce qu'on te parle, ici d'amour partagé et qui amène à une stabilité familiale et à beaucoup d'échanges, de discussions concernant la famille ou avec la famille ici. On y va avec le lumière. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Tu sens bon le bébé cadom. Eh oui, je lave ma fille avec du cadom. Et elle se porte très bien. C'est toujours porté très bien. Allez. S'il vous plaît, Mélide. Les messages avec le lumière. Ma tête est coupée, hein. Ça me gêne un petit peu. S'il vous plaît, quels sont les messages? On te parle d'invitation, de sortie, chance, opportunité de te déplacer ici, d'un déplacement. On t'invite, il y a une invitation à te déplacer, à faire de la route, déplacement court ou long, hein, c'est toi qui vois, mais c'est une chance, une opportunité ici, une invitation qui est une chance, une opportunité de te déplacer, belle âme. Pour aller vers de nouveaux horizons ici. Après un temps de repos, ouais, du repos bien mérité, j'entends un repos bien mérité, de nouveaux horizons pour un repos bien mérité. Tu vois, c'est la phrase qu'on m'envoie. Ah bah c'est très bien. On y va. Accident, ouais. Les problèmes sont finis, belle âme. L'univers est là. On te parle d'une mauvaise base de départ, mais un être cher est présent à tes côtés pour comme
tu vois, il y a eu une mauvaise base de départ, mais ton être cher, il te pousse à comme redémarrer. Parce qu'il y a un accident, mais un accident qui devait être avec l'univers, d'accord? Qui avait son importance, belle âme. Elle fait que te cracher, elle. Alors, intelligence, travail, oui. Par rapport à une invitation, tu vas voir les choses différemment ici. Une intelligence d'esprit. Faire preuve d'intelligence d'esprit. Faire preuve. Voilà, c'est travailler. Ouais, découverte. Tu vas découvrir quelque chose concernant un envoûtement. Tu es envoûté par quelqu'un ou quelqu'un est envoûté par toi. Et tu vas comprendre quelque chose ici. Alors, peut-être au niveau professionnel, tu vas découvrir qu'on t'a... On t'a envoûté. Jeunesse. Ouais, il y a de nouveaux horizons. Tu vas vers... Hey, je ressens là la jeunesse. Guérison, belle âme. Guérison. Et ça bouge avec le commerce, la route. Ça bouge. Tu vas vers de nouveaux horizons et c'est... Un nouvel élan. C'est vraiment un nouvel élan. Il y a la guérison, de nouveaux horizons qui te permettent de guérir ton enfant intérieur ici. Une guérison profonde, j'entends. Oh, c'est beau, j'adore. Je te souhaite, va vers de nouveaux horizons, belle âme. Allez. S'il vous plaît, mon guide. Ouais, déplacement. Route. Ouais, il y a un déplacement qui va t'apaiser ici. Hein. Belle âme masculine ou en rapport avec une belle âme masculine. Ouais, il y a eu, tu vois, toutes ces énergies négatives en lien avec cet accident-là, mais qui devait être, je te dis. Tu vois, tu as des solutions pour dépasser des difficultés. Cet accident te permet de dépasser des difficultés ici, d'accord? Pour te diriger vers la sérénité ici. Emprisonnement, ouais, maladie, beauté. Tu vas voir la beauté d'un mal-être, en fait. C'est un peu comme ça qu'on te le dit. Ouh, droite, l'oreille droite qui siffle là d'un coup. Ça siffle. Ça bourdonne pas, hein. Ça siffle. Ça a sifflé. Emprisonnement. Ce qui te bloque, c'est un mal-être. Un mal-être. C'est avec mal-être, tu sais, mal-être et beauté, là on m'envoie, tu ne te sens pas capable. Tu ne vois pas ta beauté, tu ne vois pas ta lumière, tu te sous-estimes, belle âme. C'est pour ça que tu es bloqué. Tu te sous-estimes. On te parle d'un foyer ici, consultant, consultante de ton foyer, beaucoup d'abondance, ça resiffle. Waouh! Ça resiffle. Abondance dans le foyer, belle âme. Ouh là là, bah dis donc. Hein. Ouh, ça s'est calmé. Naissance, on se déplace. Un déplacement, un repos bien mérité. On se déplace, on va vers... Tu vas pouvoir te reposer, belle âme. Il y a la naissance de quelque chose, le début. Il y a eu du mensonge, il y a eu de l'adultère. De l'adultère, il y a de la mélancolie, le mensonge, l'adultère, la mélancolie sur un nouveau départ ici. Hein. Alors, balai, déménagement est la clé. Hein. Sur déplacement, tu te déplaces vers un repos bien mérité. Il y a vraiment le déplacement, tu vas vers quelque chose de serein. Le déménagement est la clé. Oh, bah zut. Alors. Bah écoute, belle âme. On t'invite ici pour ton plus grand bien. Tu vois, pour ton bien-être. Ton enfant intérieur, il y a comme tu vois, un élan du cœur, un élan, ton enfant intérieur, il te pousse là. Il y a vraiment l'élan du cœur. Et on t'invite ici à aller vers le nouveau départ. Il y a une invitation pour un nouveau départ, pour un début, un commencement, pour faire grandir, prendre soin de quelque chose qui est naissant en fait. D'accord?
Il y a pu avoir un accident, mais un accident qui devait être pour ouvrir les yeux sur un emprisonnement ici. Le fait qu'on s'emprisonnait soi-même pour aller vers de nouveaux horizons, en fait. On s'empêchait ici. L'emprisonnement, c'est l'empêchement d'aller vers de nouveaux horizons et se sentir bien dans son foyer. Un nouveau foyer, d'où le déménagement, d'accord? Un foyer ici, on travaille avec... Tu vois, c'est comme si qu'on m'envoie, on travaille avec là-haut. Au niveau mentalement, on a envie de rapidité, hein. On pense à accélérer quelque chose parce qu'il y a eu une mauvaise base de départ ici avec une personne que tu as rencontrée. Ouais, on parle de la fin d'un cycle pour un nouveau départ qui est en lien avec un balayage du passé ici. Donc, il y a vraiment l'intelligence, réfléchir positivement, réfléchir intelligemment pour se déplacer là, pour faire de la route peut-être, d'accord, et travailler à son bien-être, à ce repos qui est bien mérité ici, d'accord. Donc écoute, ben là j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, c'est le plus important, comme tu le sais. Je te fais d'énormes bisous, je t'envoie tout mon amour et je te dis à très vite. Bye bye.